Alors c'est une technologie, c'est la première installée en Europe, hein, pour les chimiothérapies, que ce soit en série ou en préparation nominative. Donc ça veut dire que le CHU se positionne vraiment comme étant un établissement innovant qui essaye de faire avancer d'une part l'innovation technologique, mais également la prise en charge de ses patients. Et nous sommes d'ailleurs un établissement qui devient de ce fait-là représentatif, et on a plein de demandes de visite pour venir voir un peu comment ça marche et comment on l'a installé. Alors le robot permet un processus complet de fabrication allant de la reconnaissance des composants et l'identification jusqu'à la fabrication avec le contrôle par pesée et l'étiquetage de la préparation avec une intervention humaine limitée. Le robot prend donc en charge des gestes répétitifs avec une précision constante. Cela permet de libérer le personnel pour des activités de plus haute valeur ajoutée. Il permet aussi d'augmenter la productivité des préparations et permet également de diminuer le temps d'attente des patients sur leur préparation de chimiothérapie. On pouvait observer encore des temps d'attente qui pouvaient monter jusqu'à une heure et demie pour certains patients, sur certains protocoles. La mise à disposition de la préparation par robot, proposée par les pharmaciens, aujourd'hui permet une quasi-disparition de ce temps d'attente. La réalité, c'est que on obtient surtout une diminution du stress des patients liés à l'attente des produits, y compris pour des patients qui des fois ont maintenu une activité professionnelle. Et par ailleurs, les soignants vont être plus disponibles dans l'écoute, parce que la procédure de soins va être moins hachée par l'attente et l'arrivée des produits qui vont être anticipés et disponibles quasiment dès l'arrivée du patient. Alors l'objectif à quelques années, on va dire 3 ans, hein, c'est de produire 60% de nos poches par ce système, et 60% ça représente à peu près, on va dire, 30 à 40 000 préparations qui vont être réalisées automatiquement par le robot, ce qui va nous permettre de gagner du temps pour d'autres activités.